Messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que notre prochain blockbuster, c'est Batman versus Superman. Et je vous ai réunis ici aujourd'hui pour qu'on se mette d'accord une bonne fois pour toutes sur l'acteur qui va jouer le rôle de Bruce Wayne, alias Batman. Alors, des suggestions? Je propose Omar Sy, il est très bankable. Mais vous êtes complètement malade ou quoi? Batman ne sera jamais joué par un noir. En plus, ça va me coûter des millions en KFC toute cette histoire. Alors, d'autres idées? Et pourquoi pas Mel Gibson? Mais il est antisémite au dernier degré. Pourquoi pas Adolf Hitler pendant qu'on y est? Ça, c'est un coup avoir Finkielkraut et BHL sur le dos avant même les sorties du film. Messieurs, je ne vous félicite pas, ça fait 4 heures que l'on planche sur ce casting et on n'a toujours pas réussi à trouver quelqu'un qui ne soit ni juif, ni gay, ni homosexuel, ni communiste. Ça doit pourtant exister. Il y a le neveu de ma tante qui est dispo. En plus, il sait jouer la comédie, c'est un mime. Oui, oui, on verra, mais tu sais très bien qu'on est une vraie star. Mais pourquoi pas Ben Affleck? Regardez ce schéma. Ça, c'est Ben Affleck en 2003. Il vient de jouer dans Daredevil, un des pires films de l'humanité. Et ça, c'est Ben Affleck en 2012. Il vient de remporter un Oscar pour Argo. Vous avez vu la différence? Il porte une barbe. Donc si on arrive à faire un film avec Ben Affleck mais en cachant le visage de Ben Affleck, on aura certainement un Oscar. Bon sang, mais c'est bien sûr! J'appelle ça le théorème de Ben Affleck. Ok, va pour Ben Affleck, mais t'essaies de me le rendre méconnaissable pour le film! Vous en faites pas, on lui mettra une burqa.